Bon, alors déjà, dites-nous comment ça va? On sait, en fin d'année, c'est toujours compliqué pour vous. Comment ça va? Non, ça va bien. Je me sens bien, même pas dire triste de finir la saison, mais c'est vrai que voilà, par rapport à d'autres années, j'arrive moins émoussé. Donc en plus, on annonce une belle journée ensoleillée. Donc voilà, on va essayer de se faire plaisir. Avec un Paris-Tours qui a changé l'an passé, j'imagine que ça vous plaît. Marc Cavendish, Ça me plaît, oui et non, parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup l'ancien parcours. L'ancien parcours qui était presque mythique, historique, parce que ça faisait des années qu'on courait là-dessus. Et donc voilà, on innove un peu, c'est plus dur. Pour moi, c'est moins évident d'arriver devant pour la gagne. Justement, comment faire pour vous, pour votre équipe aussi, avec Stéphane Kung qui est en forte aussi, pour faire bien aujourd'hui? Ouais, voilà, on a une équipe solide avec aussi Kevin Genies qui est jeune mais qui marche bien. Voilà, Marc Sarro aussi qui engrange les victoires. Donc voilà, on a un bon groupe, tout le monde a envie. Donc là-dessus c'est bien. Et puis après, la course va en décider. L'année dernière, il y avait eu beaucoup de problèmes mécaniques pour de nombreuses équipes. Donc on va essayer de passer à travers. On fera les comptes sur le final. Merci beaucoup, bonne course.